Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Heureux de vous retrouver ou de vous trouver dans cette nouvelle émission économique que vous pourrez désormais regarder tous les samedis à 19h15. Le débat que nous vous proposons ce soir a pour objet de jeter la lumière sur l'univers algérien des jeunes entreprises, qualifiées dans le monde entier de start-up, mais de nous intéresser aussi à ces organisations mises en place en Algérie pour encourager l'éclosion de ces jeunes pousses en accompagnant notamment leurs jeunes managers. Pour en parler, j'ai invité trois acteurs bien connus de cet espace économique dédié à la jeunesse entrepreneuriale. Fatiha Rajdi, vous êtes la femme de ce plateau. Vous êtes chef d'entreprise et présidente du GEN, le Global Entrepreneurship Algérie. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Et je crois que vous avez un événement qui va se dérouler le 14 novembre. Vous nous en parlerez dans un instant. Yassine Rahmoun, vous êtes le président de Casbah Business Angels et entrepreneur. Vous êtes spécialisé en IT. Et je voudrais rappeler que vous êtes polytechnicien de l'école de Lausanne et vous avez un MBA de l'université de Berkeley en Californie. Enfin, Iheb Tekour, vous êtes enseignant à l'école nationale de supérieur de management. Vous êtes expert en digital et influenceur bien connu sur les réseaux sociaux. Alors, je voudrais d'abord que vous nous disiez un petit peu ce que vous faites, quelles sont vos organisations et qu'est-ce qu'elles s'apprêtent à faire. Alors vous, madame, avec le DEW que vous organisez prochainement, de quoi s'agit-il et en quoi s'adresse-t-il à la jeunesse entrepreneuriale? En fait, le programme que je dirige s'intitule Global Entrepreneurship Network. Global Entrepreneurship Network, c'est en fait une évolution du Global Entrepreneurship Week vers le Global Entrepreneurship Network. Parce que la célébration, il y a quelques années, on célébrait l'entrepreneuriat, ce qui est toujours d'actualité puisque du 14 au 20 novembre, nous célébrons la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en Algérie, mais pas qu'en Algérie. Elle est célébrée dans 165 pays qui sont membres de ce réseau géant qui regroupe toutes les organisations qui travaillent sur l'entrepreneuriat. Donc du 14 au 20 novembre, nous allons fêter les entrepreneurs, inspirer les jeunes et les moins jeunes et leur donner envie de créer des entreprises et de développer leur entreprise si elles existent déjà. Comment vous les inspirez? Alors, l'inspiration, quand on parle de célébration, c'est à travers des milliers d'activités qui auront lieu sur les 48 wilayas. Donc, il faut savoir que l'Algérie a mis en place cette organisation où nous avons 535 partenaires au niveau national. Ces 535 partenaires opèrent sur les 48 wilayas où il y a donc des activités entrepreneuriales sur tout le territoire national. Quelle est la spécificité de cette édition? Cette édition va travailler sur la thématique de agriculture et nouvelles technologies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre pays doit sortir de la dépendance énergétique et il faut absolument trouver la parade. Et dans le programme gouvernemental, c'est bien l'agriculture qui est au centre des politiques publiques en ce moment. Donc on a choisi ce thème par rapport à l'actualité et à la politique nationale. Yassine Rahmoun, avec Casbah Business Angels, alors vous êtes parmi les premiers hein, qui sont venus un petit peu soutenir cette jeunesse entrepreneuriale. Qu'est-ce que vous faites depuis plusieurs années? Quand c'est que ça a commencé cette aventure? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Exactement. En fait, après mes amis entrepreneurs de la Silicon Valley qui, à partir de 2009, organisaient beaucoup de bootcamps dans les universités pour apprendre les jeunes, les inspirer à l'entrepreneuriat et les business plans et création de start-up donc dans cet écosystème, était venu le moment pour commencer ce qu'on appelle un Business Angels, qui cette fois-ci consiste à être un peu moins social, mais créer un tissu d'investisseurs pour en fait compléter cet écosystème. Donc si vous me permettez, juste pour la définition d'un Business Angels, il s'agit ici d'un dîner ou d'un petit déjeuner trimestriel où sont conviés les meilleures startups. Et donc on a autour de la table une trentaine d'investisseurs qui vont à titre personnel investir une partie de leur donc patrimoine, mais au-delà de l'investissement financier,
donc prendre des parts dans cette entreprise, mais surtout, surtout, donc avoir un apport donc de coaching et aussi d'apporter des ouvertures de network, de commercial et logistique. Donc vraiment faire en sorte que cette start-up ou cette entreprise devienne viable. Donc l'objectif, ce n'est rien de social, l'objectif c'est de vraiment booster. Alors les business angels existent aux États-Unis, en Europe. On espère démultiplier d'autres business angels. Ils existent en Europe et aux États-Unis sous le même format, sous le même angle. Ce sont des déjeuners, des dîners trimestriels ou absolument, c'est autre chose? Tout simplement des petits déjeuners, des dîners trimestriels. Et à puis, combien de jeunes vous vous êtes adressé, de jeunes entrepreneurs vous vous êtes adressé en Algérie jusque-là? Ça a démarré quand? Alors le business angel, il a démarré depuis une année. Il fallait donc créer une équipe qui travaille la partie administrative. Surtout aussi, on parle souvent de start-up, de financement, mais on parle très rarement d'un réseau d'investisseurs structuré, parce que les investisseurs, ça doit se former. Et donc, nous avons aujourd'hui monté une trentaine d'investisseurs. Pour répondre à votre question, nous avons à peu près une cinquantaine de start-up qui, depuis l'incubateur, finissent dans ces dîners trimestriels ou deux fois par trimestre. Le prochain est au 29 novembre. Donc, on a un site web qui s'appelle kasbabusinessangels.com. Et puis, à travers cela, c'est l'occasion pour les investisseurs à titre privé d'investir chez cette compagnie-là. Alors, si je vous ai invité, c'est pour parler ici franchement des choses. Bien sûr. Et je voudrais savoir, on essaye de quantifier, parce qu'on voit se bousculer les événements à l'adresse de ces jeunes, et je pense que c'est une très bonne chose. Simplement, je voudrais qu'on essaye de quantifier, d'avoir un feedback de ce que vous faites, et de voir si tout cela a un petit peu participé à doper notre économie, ou en tout cas à l'améliorer. Exactement. Voilà. Alors, Ihab Tekour, vous êtes un jeune, vous êtes entrepreneur ou non, vous? Oui, si on peut dire ça. Si on peut dire. En tout cas, vous avez un œil aiguisé sur tout ce qui se fait, notamment dans le domaine IT et tout ce qui se fait au niveau du monde entrepreneurial, notamment au niveau de la jeunesse. Alors, j'ai envie de vous entendre. Je vous ai invité ici pour titiller un peu toute cette problématique. Est-ce que donc les choses sont bien faites? Est-ce que c'est une bonne chose que nous voyons se développer chaque jour en Algérie? Oui, c'est une bonne chose, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a des retombées réelles? Est-ce qu'on a, déjà le terme start-up? Est-ce que les jeunes, les porteurs d'idées, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que le but recherché, c'est à travers, oui, le principe d'entreprendre et tout le discours qui va avec, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que maintenant, ils doivent faire rentrer de l'argent et de payer les factures à la fin du mois? Moi, je pense que la majorité des jeunes qu'on voit et des start-up, j'ai été pas mal de temps dans des événements, les jeunes n'arrivent pas encore à comprendre, de là où on voit le nombre d'entreprises qui émergent, qui passent à la réalisation au monde réel, hors papier, hors concept, le taux est très très faible. Le taux est très très faible. Je pense que les jeunes n'arrivent pas encore à assimiler l'idée qu'entreprendre n'est pas seulement rêver, mais c'est de vraiment passer à l'acte. Et quand on voit l'économie algérienne, à ma connaissance, ils sont très rares les entreprises qui sont sorties des incubateurs, qui ont réussi à mettre en place et à réaliser vraiment leur projet. Qu'est-ce que vous avez à dire aussi à l'adresse des organisations qui se... Je suis plutôt... j'encourage Yacine avec les business angels qu'ils communiquent davantage pour que les jeunes, les porteurs d'idées comprennent que le fait de participer à un concours n'est qu'une étape d'un process. Et que l'idéal, c'est d'avoir, la finalité, c'est d'avoir les investisseurs pour réaliser le projet, non pas rester dans l'esprit étudiantin, avoir un projet, participer à un concours, attendre l'année prochaine pour participer à un autre concours et passer vraiment à la réalité des choses et d'essayer de générer des profits. Et qu'est-ce que vous avez à dire à Mme Rajdi? En fait, c'est complémentaire. Hein, c'est complémentaire. Ils doivent, Mme Rajdi, vu ces projets, ces événements, elle doit encore plus donner plus de visibilité au business angel pour que les jeunes
parce que j'ai été pas mal d'événements et j'ai trouvé il y avait des idées qui étaient appréciables hein, et qui pouvaient, dans un autre contexte, un autre pays, être récupérées, être des locomotives pour les jeunes. Mais les jeunes, dommage, c'est juste, pour eux, c'est juste un concours. On passe le concours. Après, on attend l'année prochaine pour... Alors, un concours et puis plus rien. C'est vrai ça ou pas? Pardon. Moi, je pense qu'il faut remettre les objectifs de ces concours, de ces compétitions, de ces activités à leur place. De mon point de vue, une compétition n'est pas destinée à créer des entreprises ou créer des start-up, notamment en Algérie, parce que dans les autres pays, les business angels sont présents dans les compétitions et ils sont là et ils s'engagent sur des financements de start-up. Ça reste, en termes de pourcentage, très faible, mais ça se fait. De mon point de vue, dans notre pays, ce qui est important, c'est de semer les valeurs entrepreneuriales. Semer les valeurs entrepreneuriales, c'est changer le mindset. Il faut savoir que pendant des années, nos jeunes et les moins jeunes également pensaient à qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce qu'on peut me donner, à quel niveau l'État peut m'apporter quelque chose. Si on arrive à travers ces activités de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, à faire comprendre que entreprendre, c'est d'abord prendre des risques. Entreprendre, c'est être solidaire. Entreprendre, c'est innover. Si ces valeurs entrepreneuriales, ces valeurs très importantes, on arrive à les semer. C'est gagné. Des enfants jusqu'aux adultes, c'est déjà gagné. Une première, on va dire un premier objectif qui est déjà atteint. Maintenant, en termes de création d'entreprise, si on sort de la création d'entreprise sociale, et tout à l'heure, Yacine l'avait dit. En fait, il faut revenir aux véritables valeurs de l'entreprise. Créer une entreprise, c'est créer de la richesse. Ça veut dire qu'il faut mettre tous ces porteurs de projets, porteurs d'idées, créateurs d'entreprises et entrepreneurs au centre de la vraie valeur de l'entrepreneuriat qui est celle de créer de la richesse. Si on arrive à leur expliquer qu'une idée n'est pas viable forcément, que c'est bien d'avoir de belles idées, ont-ils des marchés? Si on arrive à les faire travailler sur des business models et à leur faire comprendre qu'avant de partir et entreprendre, vérifiez que votre idée est valide, vérifiez que vous avez un marché profitable qui vous permet d'aller au-delà du jour J, qui est la compétition, aller encore plus loin, vendre, connaître vos clients, les identifier et vous assurer que vous allez pouvoir durer. C'est toutes ces connaissances, cette culture qui est en train d'être développée dans notre pays. Et de mon point de vue, le mouvement entrepreneurial, il est né, pas grâce à nous, grâce à toutes les initiatives qui existent dans notre pays. Et le mouvement entrepreneurial en Algérie est en marche, c'est clair. Pour comprendre les choses, en fait, vous participez de la même vocation, mais en même temps, vous avez une démarche qui est un peu différente. C'est-à-dire que vous travaillez plus en amont, alors que vous investissez, vous coachez, mais vous investissez, vous avez des business angels qui interviennent, des investisseurs qui entrent en participation, qui vont jusqu'au bout des choses. Exactement. En fait, nous avons deux plateformes. Nous avons Algerian Startup Initiative, qui existe depuis 2009. Elle a une vocation éducationnel pour justement communiquer, pour dire que il faut que l'exécution est plus importante que la théorie, parce qu'il y a des gens effectivement qui sont spéciaux. Mais un business angel, justement, c'est là où il y a une confusion, c'est récent, c'est nouveau. Les business angels ne font pas de compétition. On n'organise pas d'événements, on n'organise pas de compétition, on n'a pas de conseils à donner, c'est aussi froid que ça. Un business angel a un process, parce qu'au début, il fallait monter des employés dans Casbah Business Angels. Ces employés, elles ont un rôle. C'est de rassembler des business plans qui viennent de différentes sources et d'avoir dans le process, la première étape, des critères de sélection afin justement de filtrer ceux qui se spécialisent dans les concours, ceux qui ne sont pas viables, ceux qui n'ont pas la capacité d'exécuter. Ensuite de cette sélection, ils arrivent. On a une shortlist de compagnies et on en prend 3 ou 4 par dîner, d'accord? Et là, on n'est pas dans une démarche de coaching, on n'est pas dans une démarche de compétition. C'est aussi froid que ça, est-ce que le business plan
peut générer de l'argent, oui ou non. Si oui, à ce moment-là, il y a un investissement qui se fait, il y a tout le process qui va avec. Donc, à ne pas confondre business angels et compétition. Ce sont deux choses. Là où vous avez absolument raison, ce que nous faisons aura un sens à l'échelle nationale et macroéconomique, c'est si nous arrivons à avoir plusieurs business angels. Je vous donne un exemple. On avait parlé tout à l'heure d'échecs. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme un tabou. Dans la Silicon Valley, par exemple, vous avez un business angel, s'il investit sur 10 ou 100 startups, le taux d'échec est de l'écrasante majorité. Plus de 90% des startups dans la Silicon Valley échouent. Ce n'est pas pour autant. Et quand ils échouent, elles ne sont pas blacklistées. On les aime plus. Autre chose que je voulais dire, c'est que par rapport à ces échecs-là, ce sont les règles du jeu. Je pense que notre vocation aussi, c'est une fois qu'il y a eu investissement, vous savez qu'en Amérique, il y a 92 000 business angels. Il y a plus de 20 milliards de dollars d'investissement, puisque vous voulez des chiffres, par an. Je veux des chiffres, mais je veux des chiffres algériens, moi. D'accord, très bien. Alors, les chiffres algériens, aujourd'hui, ce que je vous ai dit, c'est que nous avons aujourd'hui une dizaine de start-up qui existent, qui ont leur registre de commerce, qui ont un staff, d'accord, qui commencent à démarcher des clients. Certains ont déjà des clients, ils ont des bons de commande, ils ont du chiffre d'affaires qui rentre, d'accord. Donc, c'est un commencement. Vous pouvez nous donner un exemple d'entreprise qui est entrée en action grâce au Business Angels? Absolument. Et avec quels investisseurs? Absolument. Nous avons une entreprise, par exemple, qui a vu une certaine innovation, qui a créé une plateforme qui va mettre en relation des professeurs d'université avec des étudiants pour mieux communiquer, que ce soit les cours, des choses comme ça. D'accord ? Donc, elle est rentrée à travers la phase d'incubation. Il y a eu donc tout cet aspect entrepreneurial qui est derrière. Et aujourd'hui, elle a quelques clients d'université qui ont... On peut citer le nom de cette entreprise ? Alors, elle s'appelle Finex. Il faut que je retrouve le nom. Excusez-moi. Elle s'appelle... Je ne vous aurai pas marqué. Voilà, tout à fait. Quel est l'investisseur? Pour des raisons de confidentialité. Ça reste confidentiel. Il n'y en a exactement. Qu'un seul ou il y en a plusieurs? Alors, dans les business plans, dans les business angels, vous pouvez avoir un ou plusieurs investisseurs. En ce cas-ci, c'est un seul investisseur. Voilà. D'accord. Donc, ça reste des anges marqués. Est-ce que ce sont de véritables anges, Yehab Tekour? Yassine l'a dit, c'est leur métier, c'est pas de faire du social. Leur métier, c'est de voir si Yassine Ahmoun a une tête d'ange. Non, mais c'est des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir dans des entreprises, des projets qui rapportent de l'argent. Après, moi, la question qui m'interpelle, c'est que quand je vois l'écosystème algérien, est-ce que depuis le temps qu'on est en train de parler de start-up et de porteurs d'idées et de projets, on est en 2016. Moi, j'ai commencé à en entendre parler fin 2008. Les start-up. Est-ce que jusque-là, on a déjà des start-up qui sont sortis du lot ? Ou qui ont vraiment eu, qui méritent le titre de start-up qui réussissent. Donc, revenons à cette très bonne question d'Ihab Tekour qui dit oui, mais donc quelles sont les réelles start-up qui se sont réellement montrées exemplaires de réussite et de succès sur le terrain. Et en même temps, je voudrais profiter de cette question pour qu'on recentre étymologiquement le nom de start-up. Comment identifier une start-up? C'est quoi une start-up? Avant tout, on va identifier la team, l'équipe derrière la start-up. L'un des critères de sélection, c'est de voir est-ce que c'est un one-man show ou c'est un groupe de deux ou trois personnes de fondateurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir si ces gens ont la capacité d'exécuter, ce n'est pas uniquement dans la théorie. On va voir s'il y a un besoin irréfutable dans le marché de leurs produits. On va voir la concurrence. On va voir leur plan de financement. Et surtout, je reviens à ça, de voir est-ce que l'idée, c'est l'objectif d'un business plan, c'est aussi simple que ça, est-ce que l'idée va faire de l'argent. On voit aussi énormément si les porteurs de projets sont des gens
intègre et honnête, parce que le business avant tout, c'est trust, c'est la confiance. À la fin, quand on fait un investissement, vous savez que le business angel, ce n'est pas un prêt bancaire, ce n'est pas une dette. On donne de l'argent, on donne un chèque, on prend une participation dans l'entreprise. Si ça marche, eh bien, tout le monde gagne. Si ça perd, on déchire le contrat et chacun va de son côté. Voilà. Donc tous ces paramètres, on essaie de voir ces paramètres chez ces porteurs de projets. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire même une petite enquête. Parce que si la start-up nous dit, une autre start-up qui est en train de, qui a sa compagnie, qui s'appelle AquaSafe, par exemple, elle nous dit, écoutez, moi, j'ai un local, j'ai deux employés, j'ai un client. Avant d'investir, on va faire ce qu'on appelle la due diligence. Ça veut dire qu'on va faire une enquête pour vérifier les faits, si c'est vrai. Si c'est vrai, à partir de là, on peut faire un investissement. Et c'est pour ça que la confiance est très importante. Parce qu'une fois que vous donnez l'argent et que la personne va se réveiller tous les jours aux heures du matin, c'est trop tard, c'est fini. Donc, à partir de là, tous ces critères-là font que cette start-up est une bonne start-up, on dit un bon cheval, entre guillemets. Mais notre rôle, ce n'est pas uniquement, ça ne se limite pas uniquement, bien que c'est le plus important, que de faire de l'argent, d'avoir un retour d'investissement. C'est aussi, il y a une self-satisfaction que s'il y a eu réussite de ces start-up-là, il y a une satisfaction personnelle qui fait que ça contribue à l'économie nationale. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on espère qu'il va y avoir... Je pense que le challenge aujourd'hui, on parle beaucoup de start-up, mais malheureusement, on parle très peu. Y a-t-il suffisamment d'investisseurs ? D'accord ? Tout à l'heure, on parle avec eHub. Vous avez quelqu'un qui a une poche très profonde et qui va éventuellement investir sur une start-up. Et il dit, OK, je peux te donner de l'argent, mais je veux 95% du capital. Ça ne marche pas comme ça. Il faudrait qu'un investisseur sache que... faut pas qu'il ait les yeux plus gros que le ventre. Il faut qu'il prenne 10-15% par exemple. Il faut qu'il ait de la patience pour attendre 3 ans. Si quelqu'un dit je mets de l'argent mais je vais avoir des résultats demain, ça ce n'est pas un investisseur. Donc nous, une de nos missions de Casbah Business Angels, c'est d'investir sur les startups, mais nous avons un devoir de construire un réseau solide où quand c'est un club, un business angel, hein, où ces investisseurs-là adhèrent à une charte et puis à un certain comportement structuré pour que ce soit des investisseurs viables. Donc l'idéal dans cet écosystème, c'est d'un autre côté, on a des startups de qualité et de l'autre côté, nous avons des investisseurs de qualité pour avoir un bon matching. Vous savez, Casbah Business Angels a été élu, pour ne pas dire l'un des meilleurs business angels de la région MENA. Nous faisons partie de IBAN, European Business Angel Network. L'Europe a un réseau de business angel network. La présidente est venue à Alger. Et ce qui est très important pour nous, parce qu'on peut tisser des passerelles pour que des investisseurs européens viennent investir sur des startups algériennes, elles resteront là. Comme ça, on garde les jobs ici, d'accord ? Et que pour nous aussi, on puisse aussi... On a accueilli des startups de l'étranger. Et puis, si on investit sur des startups, on peut leur dire aussi, on va mettre un chèque, mais ce serait bien d'ouvrir l'engineering ici en Algérie, d'accord ? Donc, c'est vrai que c'est un commencement. Les chiffres, il n'y en a pas beaucoup. On parle de double digit de startups. On ne parle pas de centaines de startups. On en parle de 10, 15, 20 startups. Mais vous savez, l'Amérique, s'ils sont arrivés à 20 milliards de dollars par an d'investissement par les business angels, s'ils sont arrivés à 265 000 investissements par an, s'ils sont arrivés à 99 000 business angels, vous croyez que c'est arrivé du jour au lendemain ? Non, ça a pris 25 ans pour le faire. Peut-être que dans 20 ans, on va revoir cette vidéo-là, on aura les cheveux, vous pas, mais les cheveux gris, et on va revoir ça, on va dire, vous rappelez, il y a eu un certain business angel Casbah, aujourd'hui il y en a une 300, ça serait une bonne chose. Et Haptekou, vous n'êtes pas aussi jeune que ça. Du tout. Madame Rachidi, votre mouvement Global Entrepreneurship vient des États-Unis et je dirais déployé à travers le monde entier. Aujourd'hui, alors, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, à côté de votre organisation, votre modèle, est-ce que vous satisfaisez de ce qui est fait à côté, notamment par nos pouvoirs publics et nos institutions, et est-ce que ces pouvoirs publics et ces institutions soutiennent votre organisation ? Alors, d'abord, je commence par corriger. Notre organisation n'est pas américaine, puisque l'origine de l'organisation est la Grande-Bretagne. GEW est née en Grande-Bretagne. Très vite, y ont pris part les Américains, mais d'autres pays également. C'est un mouvement composé de 165 pays où le siège est à Washington. Donc, c'est une organisation mondiale qui fédère
les initiatives entrepreneuriales où il y a des représentants GEW et maintenant, depuis 3 ans, GEN, Global Entrepreneurship Network. Mais souvent, vous mettez dans vos événements l'ambassadeur des États-Unis à l'honneur. Donc, on a tendance à penser que ça vient de là. Tout à fait. C'est-à-dire que comme le siège est aux États-Unis et que les dirigeants sont américains, il y a quand même une Turque avec les Américains, donc en fait, les États-Unis célèbrent la Semaine mondiale au niveau de l'ambassade, en même temps que nous en Algérie. Ils sont partie prenante. Et c'est un événement qui est aussi célébré au niveau de l'ambassade. Mais d'autres pays aussi y prennent part. Et il faut savoir que ce mouvement, qui est passé donc d'une célébration à une structure, d'ailleurs c'est « The Program for All the Year », donc toute l'année il y a des activités. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce programme, l'objectif ultime, c'est le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Ça veut dire ce qu'on dit souvent, l'environnement des affaires. Donc, comment renforcer l'écosystème? Comment faire que tous les acteurs travaillent ensemble pour un objectif commun? C'est donc un peu l'objectif que nous nous assignons. Et nous avons évidemment le soutien des pouvoirs publics. Chaque année, nous avons donc les parrainages des pouvoirs publics et le soutien et leur présence dans les événements parce que c'est un événement et c'est un mouvement, je préfère parler de mouvement parce qu'un événement c'est éphémère, c'est un programme et un mouvement qui structure un peu la démarche de façon globale entrepreneuriale et qui vient en complément de ce qui existe déjà, parce qu'il faut savoir que dans notre pays nous avons beaucoup de programmes, nous avons beaucoup de dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat. Quel est le public que vous ciblez? Est-ce que ce public va jusqu'aux, par exemple, petits artisans, petits projets d'artisans ou pas? Alors, ça dépend des programmes. Nous avons un premier programme, Youth and Students. Donc, c'est des jeunes. On touche donc la formation professionnelle, mais on touche aussi les universités. Nous avons un programme, Women Entrepreneurship Programme, où les femmes artisanes sont également ciblées dans la phase sensibilisation maintenant, mais nous comptons faire beaucoup plus si on arrive à mobiliser du funding. Nous avons également le volet compétition qu'on a gardé, parce que pour nous, la compétition crée de l'émulation, et donc les gens échangent entre eux et apprennent à faire, apprennent à pitcher, apprennent à présenter leur projet, apprennent à parler à un bailleur de fonds, etc. Donc pour nous, c'est important les compétitions. Nous avons introduit un programme unique au monde. C'est le programme qui s'appelle Media Entrepreneurship Programme, où on discute avec les médias pour leur dire comment on devrait parler des entrepreneurs, comment faire pour que les entrepreneurs soient mis à l'honneur, parce que convaincus que la réussite des uns, le succès des entrepreneurs en Algérie peut être par la force de l'exemple, peut produire des réussites plus tard. Quand on regarde un entrepreneur qui a réussi, très vite, l'envie, les success stories, l'envie naît et on a envie de faire pareil. Donc, faire que les médias parlent des entrepreneurs, font parler des entrepreneurs, font des interviews des entrepreneurs, pour nous, c'est très, très important. Et nous sommes en train de faire un travail dans ce cadre-là. Nous avons un volet, c'est pour ça que je vous dis, le programme GEN est beaucoup plus large que la célébration. Nous avons un volet Research and Policy. Donc, l'objectif, c'est de dire, c'est très bien, tous les dispositifs en Algérie sont bons, mais on dit souvent, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Pas toujours par rapport notamment au nombre de créations d'entreprises que l'Algérie cible, par rapport au nombre d'emplois à créer, puisque nous, on met toujours l'emploi à la fin. C'est pas exactement comme font les politiques. Alors, où c'est que le bas blesse? Pourquoi? Ben, le bas blesse, c'est qu'il y a des éléments, des composantes qui manquent. Yacine a parlé du financement. Casba Business Angel existe. Bon. Est-ce que Casba Business Angel est un dispositif suffisant pour le financement des startups? Bien sûr que non. Il l'a dit lui-même. Il faut des centaines de, peut-être des dizaines, peut-être des centaines, ça veut dire des centaines de business angels pour pouvoir accompagner. Mais pas que ça, puisque nous savons que la création d'entreprises innovantes, notamment, dont l'Algérie a beaucoup besoin, nécessite un financement en amont. La phase de prototypage, toute cette phase où il y a beaucoup de risques, même les business angels n'iront pas créer un prototype. C'est plutôt les fonds d'amorçage, les fonds de préamorçage qui manquent. Et d'après ce qu'on a entendu dans les médias, c'est des fonds qui sont en création. Le ministre de l'Industrie en avait parlé. Il y a un fonds d'amorçage qui est en création. Ça veut dire que le dispositif existe, oui. Que le dispositif est bon, oui. Mais qu'il y a des compléments apportés. Et les débats, toutes les discussions et les échanges qui se font sont en train d'aider à mettre en place toutes ces parties qui manquent. Ce que dit Madame Rajdi est juste. Elle le dit, je pense, de manière
gentil, édulcoré. En fait, le problème est grave parce qu'on me dit souvent que les startups ne pourront pas se développer dans un pays qui est encore immature en termes d'écosystème. Quand on voit la, en fait, moi, la dernière expérience que j'ai eue avec les porteurs d'idées, ont tendance à penser qu'il faut que ça soit une idée dans le domaine du IT. Déjà que ça, c'est faux. Il faut que toute idée est bonne si elle est viable et si elle peut être convertie en un projet rentable. Après, il y a aussi les freins liés au domaine du IT aussi. Quand on voit la qualité d'Internet, quand on voit le cercle vicieux de la création d'entreprises, qu'il faut avoir un local pour avoir le registre de commerce, enfin, toutes ces problématiques que le porteur d'idées va découvrir juste après le concours et le rêve. Il y a la partie réelle, la réalité du terrain. Donc là, toutes ces problématiques que doit le porteur d'idées lors des événements, je pense qu'il doit être mis au parfum déjà quand il est déjà dans le costume de porteur d'idées. Après, la sortir dans la nature et être en face des vrais problèmes d'entreprise et qu'il arrête de penser porteur d'idées, qui commence à oublier le rêve de devenir Zuckerberg, mais d'essayer pour devenir Zuckerberg, c'est de commencer à avoir des bons de commande et de récupérer des fonds. Oui, alors... Si vous en prie, bien sûr. En fait, les success, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les success stories de start-up, ou même on peut ne pas les appeler des start-up, on les appelle des TPE, des petites entreprises, mais il y en Algérie, elles ont existé. Vous prenez l'exemple d'une compagnie comme Wedknis, c'est une success story. Vous prenez l'exemple comme Emploitic, c'est une success story. Elle a commencé avec un petit fonds de rien du tout. Elle a explosé. Vous prenez une compagnie comme Icosnet, qui se spécialise dans la téléphonie sur IP et l'Internet. Elle a commencé avec rien du tout. Elle est à multi-million dollars. Vous prenez une compagnie de pâte Benamor. Aujourd'hui, c'est une compagnie qui va fabriquer, employer des milliers d'employés et qui exporte. Donc, il y a des succès. C'est pour ça que, je vais vous dire une chose, il y a des gens, ils me disent, vous savez, vous êtes resté plus de 20 ans en Amérique, en Californie, vous êtes fou, vous revenez ici. J'ai dit, mais vous savez pourquoi je reviens là? C'est parce que les success stories existent, elles sont réelles. Vous savez, l'objectif, c'est de comprendre ce qui a fait qu'elles ont réussi pour démultiplier ça, ce qu'on appelle le positive coaching. Et je suis d'accord, par contre, qu'il y a des problèmes qui freinent. Il ne faut pas juste copier ce que font les Européens 100% de ça. Mais en Amérique, il y a un truc qui s'appelle Small Business Act. Le plus grand client en Algérie, c'est qui? Ça reste le secteur public qui fait 70% de l'économie. Le Small Business Act encourage les entreprises publiques à aussi acheter chez les petites entreprises algériennes. Tout à l'heure, quand tu parlais de cette start-up qui vend des plateformes de coordination entre les professeurs et les étudiants, c'est pour justement éviter d'importer des logiciels d'Amérique qui coûtent plusieurs millions de dollars, alors que nous avons la solution ici en Algérie. Donc les pouvoirs publics doivent faire confiance à ces petites start-up. Yassine Ahmoud, votre Casbah Business Angels regroupe combien d'investisseurs en Algérie? On a une trentaine. D'accord. Et ils sont très participatifs. Ils sont là à tous vos rendez-vous. C'est des gens merveilleux. Ils ratent pas un dîner. C'est des gens qui aiment leur pays et qui, en réalité, ont ce côté rationnel et donc qui ont déjà investi sur des startups, qui les incubent chez eux. D'accord. Et qui met à disposition des ressources pour les aider. Donc, moi, je suis sûr qu'on va avoir des résultats. En tout cas, à propos de votre organisation, il y a un beau projet qui serait matière à investir. C'est la Casbah d'Alger. Très bien. Absolument, pas que dans la technologie, tout à fait. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas évoqué le problème du coaching, problème des projets imités ou volés. On en reparlera lors d'une prochaine émission. Je voudrais vous remercier Fatih Harajdi, Yassine Ahmoun et Yael Tekour. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débat de Challenge.